je vous laisse regarder. On dit qu'une image vaut mille mots. Assez exceptionnel, encore une fois, que ce magnifique travail. Alors, réquiste. Tout un travail, encore une fois, de nos amis de chez MM. Et quand on parle de Zeal, regardez-moi cette bombe. C'est inspiré d'un nouveau modèle. Dans les V-Rod, on a ce qu'on appelle maintenant le... Ça, au départ, c'était un muscle. Et comme c'est signé Zeal Design, on a appelé ça un... On a mis d'abord et avant tout, à l'arrière, par ici arrière, un magnifique monobranche et un énorme 300 mm à l'arrière. On aime la performance chez Zeal Design. On a donc été avec la position de conduite drag, c'est-à-dire les repose-pieds qui ont été reculés. On a verniculé les pots d'échappement. On a fait la même chose sur le moteur qui, au départ, est un 1120cc, je vous rappelle, refroidi au liquide. C'est le seul, d'ailleurs, de la catégorie chez Harley Davidson qui est refroidi au liquide. On voit les réservoirs ici. Les réservoirs. On voit le radiateur. Et si vous pensez qu'on a élargi le réservoir, ben vous vous trompez, puisque ce n'est pas un réservoir, c'est la boîte à air. Le réservoir est sous le siège de la moto. Alors, regardez bien le travail également du côté de la fourche avant. On sait que c'est une upside down, c'est-à-dire que maman se retrouve en haut et papa se retrouve en bas. Mais regardez le travail du côté de... En fait, il faut revenir de l'autre côté. Du côté du frein. C'est inspiré un peu de ce qu'on retrouve sur le bureau. Donc, le frein n'est pas au centre, autour du moyeu, mais il est autour de la jambe, comme on dit en bon français, du mag. Et normalement, ce qu'on appelle l'étrier, qui est à l'extérieur, on l'a mis à l'intérieur. Et c'est un 6 pistons, 3 pistons de chaque côté pour aider cette superbe machine. Une création de Zeal Design à Saint-Pierre-Bagot, de Z-Rod de Harley-Davidson, inspiré bien sûr de la toute nouvelle version du V-Rod Muscle. Alors c'est notre spécial gros et travail un peu sauté. Vous l'avez remarqué, on a entièrement travaillé le guidon ici et on a mis les rétroviseurs en dessous. Ça c'est pour plus loin comme on dit. Alors, machine d'enfer réalisée par notre ami Michael Long en collaboration bien sûr avec